Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Ministre, les connaissances des jeunes entrant en 4e en 2023 ont fait l'objet d'une évaluation nationale portant sur 7039 établissements et 795 000 collégiens. Celle-ci montre un effondrement sans précédent de leur niveau. Cela fait dire à nombre de nos concitoyens que la France est entrée dans une régression éducative continue qui risque de faire de nous une nation d'illettrés. Si tel est le cas, que va-t-il advenir de notre démocratie ? Nous sommes à quelques jours de la publication des résultats internationaux PISA sur l'évaluation de la performance des systèmes éducatifs et nombre d'observateurs s'inquiètent de la place de la France dans ce classement. Le système éducatif a vu se développer des ramifications toujours plus nombreuses dans les programmes scolaires. Le développement des enfants doit être pensé de manière globale. Cependant, nous ne pouvons laisser nos enseignants devant des injonctions contradictoires. Si nous admettons que le français et les mathématiques sont des savoirs fondamentaux prioritaires, nous ne pouvons continuer à refuser de hiérarchiser nos enseignements. Si chaque élève ne dispose pas des compétences fondamentales en matière de français, de mathématiques et de lecture, il est à craindre que l'ensemble des efforts sur les temps scolaires et périscolaires ne soient voués à l'échec. Le défi de notre société, comme en santé et ailleurs, est notre capacité à former plus rapidement, qualitativement et tout au long de la vie professionnelle. Vous avez annoncé un effort de votre ministère en matière de formation des enseignants, considérant à juste titre que cette formation devait être hors temps scolaire. Monsieur le ministre, quelles dispositions concrètes prévoyez-vous pour accompagner le développement professionnel des enseignants afin de permettre à notre nation de retrouver la place qui devrait être la sienne en matière d'apprentissage et de maîtrise des fondamentaux scolaires ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alfandari. Depuis 1987, mon ministère, le ministère de l'Éducation nationale, fait passer la même dictée à un panel représentatif des élèves de CM2. En 1987, il y avait en moyenne 10 fautes. Nous sommes aujourd'hui à 20 fautes en moyenne. En 1987, il n'y avait que 6% des élèves qui faisaient plus de 25 fautes. Nous sommes aujourd'hui à près de 30%. En 1987, il y avait près de 15% des élèves qui faisaient moins de 2 fautes. Nous sommes à peine à plus de 1% aujourd'hui. Oui, il y a une baisse du niveau. Il faut la regarder sans phare. Il faut le dire et surtout, il faut y répondre. Le point positif des évaluations qui ont été rendues à la rentrée, c'est qu'on voit qu'un investissement massif et des choix politiques permettent d'inverser une tendance. La réalité, c'est que le niveau des élèves qui rentrent en 6e cette année s'améliore par rapport au niveau des élèves qui entraient en 6e en 2017. Très concrètement, on voit que sur le français et les mathématiques, il y a une amélioration du niveau parce qu'on a réinvesti massivement. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Il faut aller beaucoup plus loin. Et vous l'avez vu, j'ai ouvert un certain nombre de chantiers. J'aurai l'occasion de faire des annonces la semaine prochaine. J'assume de le dire. Laisser passer au collège un élève qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, cela relève d'une forme de maltraitance. Laisser entrer au lycée un élève qui accumule un tel retard, ça n'est pas possible. J'aurai l'occasion d'annoncer des mesures fortes sur le sujet dès la semaine prochaine. Pour cela, j'ai beaucoup échangé avec l'ensemble des acteurs éducatifs. Je veux saluer le travail qui est conduit à l'Assemblée nationale par Annie Genevard et Fabrice Le Vigoureux dans la mission qu'ils réalisent sur la question de la lecture. Oui, nous devons nous interroger, j'ai eu l'occasion de le faire, sur la place du redoublement, sur des groupes de niveau au collège pour permettre enfin de faire progresser tout le monde, sur le soutien qui est apporté à nos enseignants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour annoncer mon plan d'élévation du niveau général. Nous le devons à nos élèves. Merci. Et nous le devons à notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.